Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos dédiée à la méthodologie de recherche scientifique. Je m'appelle Ehsan Hamamouchi, je suis rhumatologue et épidémiologiste et nous allons aborder lors de cette première vidéo quelques définitions concernant la recherche et ses différentes catégories. Vous trouverez l'ensemble des références en description. Tout d'abord, commençons par la définition de la recherche scientifique telle que décrite par l'OMS. Il s'agit d'un ensemble d'activités méthodiques, objectives, rigoureuses et vérifiables, dont le but est de découvrir la logique, la dynamique ou la cohérence en vue d'apporter une réponse inédite et explicite à un problème bien circonscrit, ou de contribuer au développement d'un domaine de connaissances. Philosophiquement parlant, elle peut être de deux types, empirique ou théorique. Vous conviendrez qu'en santé, les recherches sont le plus souvent empiriques, basées plus sur l'observation et l'expérience que sur la théorie et l'abstraction. Ensuite, du point de vue fonctionnel, on distingue la recherche fondamentale ou pure, qui a pour but l'acquisition des connaissances sans objectif spécifique, et la recherche appliquée, qui, elle, découle d'un problème spécifique et vise à le résoudre. À mon sens, il n'y a pas de supériorité de l'une vis-à-vis de l'autre, nous avons besoin des deux, et clairement, une bonne recherche fondamentale qui fait souvent défaut dans nos pays en voie de développement est nécessaire pour une meilleure recherche appliquée. Qu'elle soit empirique ou théorique, fondamentale ou appliquée, on peut la catégoriser en trois autres types qui sont liés entre eux et interconnectés. La recherche biomédicale qui s'approche de la recherche fondamentale et s'intéresse surtout au processus cellulaire. La recherche s'intéressant aux problèmes liés à l'environnement de l'homme et ses effets sur les cellules. Et enfin, la recherche qui s'intéresse à l'étude des comportements tels que les croyances, les attitudes, les habitudes de l'individu et ses effets sur la santé. Ainsi, quel que soit le nom qu'on va donner à notre recherche scientifique, elle peut être qualitative ou quantitative du point de vue de la méthode. Qualitative, elle s'intéressera essentiellement aux mots, et ce ne sera pas le sujet de mes vidéos. Et qualitative, elle s'intéressera plus aux données et à leurs études. La biostatistique, étant la statistique adaptée au vivant, prend en compte la variabilité des données. Et de ce fait, la prise en compte du hasard est à la base du plan de recherche. La mesure de cette variabilité se fera en étudiant les caractéristiques, autrement dit les variables, des individus qui composent la population concernée. Nous avons donc trois grandes étapes. Une première qui va viser à mesurer les variables de la façon la moins biaisée possible pour nous permettre une estimation des paramètres et donc une description de la population la plus proche de la réalité. Et enfin, d'analyser les différents groupes en estimant la part du hasard par le biais de l'utilisation des tests statistiques et notamment la valeur du petit p. Je vous invite à lire le post sur la significativité du p sur epirum.com qui vous rappelle de regarder essentiellement les chiffres et de ne pas s'arrêter à la valeur du p. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. La prochaine s'intéressera au concept de la médecine factuelle ou l'evidence-based medicine, où nous verrons les deux grands principes fondamentaux de cette médecine et le classement des études selon les niveaux de preuve et leur intérêt. À très vite sur Epirum.